et messieurs les professeurs et anciens professeurs, j'en reconnais beaucoup, mesdames et messieurs les étudiants et anciens étudiants, chers amis, tout d'abord, merci pour votre invitation. Rien ne me fait plus plaisir que de retrouver Genève dès que je le peux. Je m'y sens chez moi. Genève, c'est 6 années très importantes de ma vie, au début des années 1980. Genève, c'est aussi l'Université de Genève. Genève, c'est aussi l'Institut européen où j'ai été étudiant et enseignant à l'université et à l'Institut. C'est aussi le privilège et le bonheur d'y avoir rencontré et travaillé avec Denis de Rougemont, qui fut non seulement l'une des grandes figures intellectuelles du XXe siècle européen, mais aussi l'une des grandes figures d'inspiration de l'idée européenne. Personne mieux que lui n'a su dire la place centrale de la culture dans l'unité européenne. Personne mieux que lui n'a su expliquer que fédérer, ce n'est pas uniformiser, mais unir sur la base diversité valorisée et garantie. Il était un homme libre, responsable et engagé. Il disait « Penser l'Europe, c'est la faire ». Il était un visionnaire de l'Europe unie, dont la pensée m'accompagne et m'inspire toujours. Genève, c'est aussi pour moi la naissance d'une longue et solide amitié avec Dušan Šćenski, fondateur du département de sciences politiques de l'Université de Genève. J'ai été son étudiant, puis son assistant, et je continue aujourd'hui encore à bénéficier de ses conseils avisés. Alors, permettez-moi de lui exprimer devant vous toute ma reconnaissance et aussi toute mon admiration, parce qu'en fait, il est actuellement mon conseiller spécial, une espèce de senior advisor, et quand je vois son enthousiasme, je pense qu'il mériterait le titre de junior advisor. Tel est son enthousiasme, toujours rajeuni pour la curiosité pour l'Europe et pour le monde. Et tandis que nous célébrons 50 années d'études européennes à l'Université de Genève, je suis sûr que les anciens étudiants et anciens professeurs réunis ici aujourd'hui partage avec moi la même émotion de voir inaugurer au sein de tout nouveau Global Studies Institute un successeur à notre cher Institut européen, le pôle Denis Rougemont d'études européennes. C'est précisément dans les pas de Denis de Rougemont, pour commémorer ces 50 ans, que je voudrais inscrire les quelques réflexions que je souhaite maintenant partager avec vous sur l'avenir de l'Europe. Et quand je dis l'Europe, je ne dis pas simplement l'Union européenne, car nous sommes ici, en Suisse, au cœur du continent européen, un pays dont, bien sûr, nous respectons le choix souverain de son peuple, mais un pays qui appartient sans doute à la famille démocratique des nations européennes et un pays qui, avec nous, l'Union européenne, partage tellement les valeurs et les intérêts que nous devons porter dans l'âge de la modernisation. Et tout d'abord, quelques mots précisément sur la mondialisation. Intégrer les études européennes à un centre d'études globales, c'est un fait très pertinent. Je sais que c'est parfois polémique, mais je voudrais vous dire qu'à mon avis, c'est pertinent, car l'avenir de l'Europe ne peut se penser qu'à travers le prisme de la mondialisation. La raison d'être de l'Europe, c'est la paix. C'est cela qui a inspiré les pères fondateurs, ceux qui sont réunis, par exemple, au congrès de La Haye, où précisément il y avait Denis de Rougemont. Mais aujourd'hui, pour la nouvelle génération, la paix est un fait. La paix est considérée comme acquise. Alors on me demande très souvent, mais à quoi sert l'Union européenne à l'âge de la mondialisation? C'est précisément la condition indispensable pour qu'on puisse défendre nos intérêts et pour qu'on puisse promouvoir nos valeurs. Il inclut les standards, certaines valeurs sociales qui sont propres du modèle européen, l'économie sociale de marché qui est reconnue par le traité de Lisbonne comme le modèle de vie dans notre société. Je crois que c'est un fait inéluctable, un fait structurant des rapports internationaux, de la réalité européenne comme des réalités nationales, cette mondialisation ou globalisation. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas s'en détourner, mais on doit se donner les moyens de la façonner. Alors, voilà une question intéressante pour votre institut et pour votre centre. C'est-à-dire, est-ce que cette mondialisation, cette globalisation, est-ce qu'elle va être un peu
la loi de ceux qui n'ont pas de loi, ou est-ce qu'il y aura quelque chose, l'expérience européenne, les valeurs européennes, la façon de partager de la souveraineté, la façon d'être ensemble? Voilà une question intéressante, parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, et ça je pourrais vous confirmer aussi appuyé sur mon expérience sur toutes ces 10 dernières années, c'est une question pour laquelle on cherche une solution. Si vous allez en Amérique latine, si vous allez au Mercosur, si vous allez en ASEAN, si vous allez même dans les grands pays, ils se demandent comment est-il possible de faire quelque chose qui va au-delà des frontières nationales. Si vous voyez par exemple le G8 ou le G20, le G20 c'est une tentative de régler cette mondialisation. D'ailleurs, G20 au niveau du sommet, nous avons eu l'honneur d'être à l'origine. Vous savez bien que c'était lors de la crise financière 2008 que le président de la République française, à l'époque la présidence tournante de l'Union européenne, et moi-même, comme président de la Commission, que sommes allés voir le président Bush à Camp David pour lui proposer de lancer ce mouvement du G20 au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Pourquoi ? Parce que, comme je l'avais dit à l'époque, de la même façon qu'une société ouverte a besoin des règles, la règle d'État de droit, aussi une économie ouverte a besoin de certaines règles, d'une réglementation, notamment par rapport à ce qui se passe dans les systèmes financiers. Voilà, voilà, ça c'est la vocation européenne. Est-ce qu'on peut avoir dans la mondialisation quelques règles, quelques principes qui puissent établir et consolider certaines valeurs propres à des sociétés civilisées? L'action politique dans l'Europe d'aujourd'hui se place donc dans un environnement radicalement différent de celui qui était celui des pères fondateurs, mais même très différent de celui qu'il y avait il y a même 20 ans. C'est une différence énorme, et ça, encore une fois, je peux en témoigner, car en tant que jeune, à l'époque, ministre des Affaires étrangères, je participais au Conseil européen, par exemple en 1992, et là, nous étions seulement 12 États membres. 12 États membres. Donc le Portugal, l'Espagne, la Grèce avaient déjà fait partie, intégrés, mais il n'y avait pas encore ni la Finlande, ni la Suède, ni l'Autriche. Et pas encore, bien sûr, les pays de l'Europe centrale et de l'Est que la chute du communisme a permis de voir se joindre à nous. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la dynamique en Europe, l'Europe des 28 États membres aujourd'hui, l'Europe de la mondialisation, l'Europe de la pré-crise financière est une Europe fondamentalement différente, même si elle s'appuie sur les mêmes valeurs, de l'Europe des années 90 du siècle dernier. Donc on ne parle pas d'il y a longtemps. C'est pourquoi je crois pouvoir vous dire, bien sûr cela dépend de la façon dont vous allez le faire, et là, comme je respecte beaucoup l'autonomie universitaire, je ne vais faire aucun commentaire, mais je crois que l'idée d'associer études européennes, études globales, c'est une bonne idée, si elle respecte bien sûr l'essentiel d'inspiration européenne et si elle reconnaît une vocation initiale du projet européen, l'ouverture au monde. Et c'est ça. C'est ça que j'aimerais, en tant qu'ancien genevois, ancien étudiant de cette université, et si vous me permettez aussi, vous m'avez fait cette distinction, docteur honoris causa de cette université, donc j'ai l'obligation parfois de venir ici faire des conférences, c'est ça ce que j'aimerais, que Genève puisse rester, comme tout à l'heure l'a évoqué monsieur le président du Conseil d'État, cette expression d'ouverture. Vous avez ici une expérience extraordinaire à Genève. Vous êtes une ville relativement petite, une ville et un canton, une république, mais qui a cette tradition d'ouverture au monde qui est extraordinaire. Ça fait partie de votre patrimoine. Et j'aimerais beaucoup, si vous me permettez, sans entrer bien sûr dans les sujets politiques, d'ordre politique intérieur, que la ville de Genève, l'université de Genève, garde cette vocation, cette intelligence stratégique qui est d'être ouvert au monde. Bien sûr, l'Europe et le monde. Si vous me permettez, encore une expérience personnelle. L'année dernière, à Oslo, lorsque j'ai eu le très grand honneur de prononcer, conjointement avec le président du Conseil européen, le discours d'acceptation du prix Nobel de la paix décerné à l'Union européenne, j'ai rappelé dans mon discours que la déclaration Schuman s'ouvre sur ces mots, la paix mondiale. Oui, la paix mondiale, non pas seulement la paix en Europe.
parce que l'Europe ne peut pas fonctionner en vase clos. Et c'est bien cette même préoccupation que l'on retrouve chez Denis de Rougemont, notamment à travers le dialogue des cultures, lancé au début des années 1960. Car c'est effectivement par un véritable dialogue avec les autres cultures qu'on peut instaurer une paix durable. J'avais également rappelé à Oslo que Jean Monnet, peut-être le plus grand génie de la construction européenne d'un point de vue institutionnel, concluait ses mémoires sur ces mots, et je cite, « Les nations souveraines du passé ne sont plus le cadre où peuvent se résoudre les problèmes du présent, et la communauté elle-même n'est qu'une étape vers les formes d'organisation du monde de demain. » Voilà encore une bonne phrase pour l'Institute of Global Studies et le pôle Denis de Rougemont. C'est-à-dire que l'Europe, telle que l'ont conçue ses pères fondateurs, n'était pas, dès le début de son projet, quelque chose tourné sur soi. Si je n'aime pas le chauvinisme national, je peux vous dire que je n'aime pas non plus le chauvinisme européen. C'est l'ouverture aux autres. C'est cette idée que l'expérience que nous sommes en train de faire ici en Europe peut être aussi une inspiration pour d'autres parties du monde. Pas par imposition, mais par proposition, qu'il peut y avoir des éléments intéressants que d'autres parties du monde peuvent aussi bénéficier si elles veulent bien étudier. Cette vision cosmopolite, dans le vrai sens du terme, constitue l'une des plus importantes contributions que l'Europe peut apporter à un ordre mondial en devenir. Et aujourd'hui, cette vocation mondiale d'union se trouve être renforcée par une impérieuse nécessité. Car s'il y a bien une leçon que nous devons tirer de cette crise complexe qui a commencé en 2008, c'est celle de notre interdépendance. Forte interdépendance de nos économies européennes, bien sûr, mais aussi forte interdépendance globale. Et là, nous avons peut-être un paradoxe. Un paradoxe qui pose des problèmes politiques, sans doute, très, très importants. Parce qu'en même temps qu'il y a aujourd'hui, je crois que la plupart des citoyens, au moins les citoyens qui s'intéressent pour ces questions, comprennent et acceptent qu'aujourd'hui, il y a une interdépendance beaucoup plus grande qu'auparavant. On le voit avec l'immigration, on le voit avec les marchés financiers, on le voit avec le changement climatique, on voit sur tous les aspects de la vie, inclus bien sûr par l'Internet et la communication globale. Il y a une plus grande interdépendance, mais il n'y a pas toujours la volonté correspondante d'intégration et de partage de responsabilités face à cette interdépendance. Et ça, c'est ce qui définit aujourd'hui la tension qui exprime, par exemple, certains mouvements populistes, voire nationalistes, ultranationalistes. Cette inquiétude, qui n'est pas simplement européenne, contrairement à ce qu'on lit parfois, qui existe dans certains pays de l'Union européenne, mais aussi en dehors de l'Union européenne, qui existe aux États-Unis. Comme, par exemple, un parti comme le Tea Party, un mouvement comme celui-là reflète cette situation très, très d'inquiétude par rapport à une mondialisation que même dans celle qui est considérée l'hyperpuissance donne aux gens la sensation qu'ils ne maîtrisent pas l'évolution. Et c'est pourquoi nous avons ici un problème d'incertitude, parfois d'angst dans les populations, qu'on doit y répondre. Et bien sûr, il y a différentes réponses. Et maintenant, c'est à la politique de résoudre cela, à la politique démocratique, j'espère. Est-ce que devant cette inquiétude, est-ce que devant ces forces de mondialisation que apparemment nous n'avons pas le pouvoir de contrôler, est-ce que nous allons nous enfermer? Est-ce que nous allons nous cacher sous la table? Est-ce que sous le pupitre? Est-ce que nous allons résister? Ou est-ce qu'au contraire, nous allons voir là une magnifique opportunité, notamment en termes d'ouverture, pour, avec nos valeurs, avec la défense de nos intérêts, être capable au moins de la façonner? Vous avez compris, dans mon esprit, bien sûr, c'est la deuxième voie. Je pense qu'on ne peut pas, surtout à nos jeunes, à nos enfants, aux petits-enfants, nous ne pouvons pas transmettre le message « Essayez d'échapper de ce monde, essayez de prétendre ce qui ne va pas, essayez de fermer l'Internet, essayez de prétendre qu'il n'y a pas la mondialisation. » Je crois que le message qu'on peut leur transmettre, c'est « Il y a là un monde nouveau, avec de grands défis, certes, mais avec des opportunités aussi très intéressantes, notamment, et j'insiste ici, dans ce lieu de culture qu'est l'Université de Genève, notamment sur le plan culturel, scientifique, technologique, tout ce qui peut changer le monde et qu'on peut grâce aussi à l'accès à la communication, à l'information et à la connaissance. »
Nombreux défis auxquels nous sommes confrontés sont bien sûr des défis globaux, qui ne connaissent pas de frontières et qui exigent donc une réponse globale. Et l'avenir de l'Europe doit donc se penser dans cette mondialisation et en fonction des évolutions prévisibles. Nous savons que les prévisions, normalement, n'engagent que ceux qui les font. Mais il y a tout de même quelques tendances lourdes sur lesquelles tout le monde s'accorde. Et vous m'avez en fait donné comme thème un thème extrêmement difficile. Quel visage pour l'Europe dans 50 ans ? Qui peut dire ce qui se passera dans 50 ans ? En tout cas, 50 ans, sauf si à cause maintenant de l'espérance de vie qui monte, vous pouvez m'inviter dans 50 ans, alors j'aurai 107 ans. Alors là, je pourrais, si vous m'invitez, venir voir si quelques-unes des hypothèses se sont confirmées. Mais sinon, c'est une période qui est difficile de pouvoir après vérifier. En tout cas, je pense que si on reconnaît l'imprévisibilité, si on reconnaît qu'il y a toujours un aléatoire inéluctable dans la politique, il y a quand même certaines tendances lourdes qui se dessinent et qui sont d'ailleurs connues. Par exemple, une accélération du basculement du centre de gravité de l'économie mondiale vers le monde émergent, bien qu'il soit aussi confronté à des défis, ce qui est intéressant, parce que ce monde en mutation, notamment des pays émergents, qui connaît une croissance extraordinaire, car leur potentiel de croissance est bien supérieur à celui des pays industrialisés, mais en même temps, avec ce qu'il y a de positif dans ce mouvement, notamment en termes de lutte contre la pauvreté, il y a aussi comme grande opportunité qui est la naissance et la consolidation d'une classe moyenne beaucoup plus forte. Vous voyez ça de la Chine au Brésil. Mais nous savons aussi que la naissance et la consolidation des classes moyennes sont normalement un des facteurs les plus importants de stress sur les systèmes politiques, comme d'ailleurs on a déjà pu le vérifier dans quelques-uns des mouvements qui sont passés récemment. Et c'est pourquoi c'est vraiment une évolution extrêmement importante, celle qui se dessine là-bas. Je crois que c'est une opportunité extraordinaire aussi sur le plan du commerce et de l'investissement mondial. Mais bien sûr, je l'espère, et je fais tous mes voeux, pour que ces pays puissent être capables de créer le cadre institutionnel qui est le mieux capable de gérer l'incertitude, le changement. Et là, je crois que c'est la démocratie. Car il y a parfois l'illusion, une illusion fatale, c'est l'idée que si on a un système complètement réglé, si on a un système dirigé, qu'on n'est plus capable de définir des stratégies. C'est une erreur fondamentale. Car la vérité, c'est que ça, c'est une stabilité tout à fait fragile, comme l'ont démontré, par exemple, les chutes de certains régimes autoritaires pas loin de l'Europe récemment. Tandis que lorsqu'il y a une manifestation d'inquiétude des gens dans un pays démocratique, c'est normal et le système peut intégrer cette manifestation, ce qui se passe dans les pays émergents ou les pays qui n'ont pas encore un système démocratique consolidé, on l'a vu récemment, c'est une crise de régime qui s'annonce immédiatement. Donc, il nous faut, pour intégrer cette diversité accrue dans le régime politique, notamment des sociétés émergentes, des systèmes institutionnels qui soient capables de mieux gérer l'imprévisibilité et la variété. Et là, je crois que le modèle démocratique, malgré toutes ses imperfections, parce que la démocratie n'est pas parfaite, est quand même une garantie de stabilité bien supérieure aux alternatives disponibles dans le marché des régimes politiques. C'est pourquoi, en tout cas, quand on regarde les chiffres, on doit y penser profondément. Selon un rapport 2012 de l'OCDE, consacré aux perspectives de croissance économique globale à l'horizon 2060, les prochaines années seront marquées par des changements majeurs dans l'équilibre économique et politique mondial. D'ailleurs, tous les rapports qu'il y a de la Banque mondiale, aussi des études de projection que nous avons faites à la Commission, et que d'ailleurs nous sommes en train de faire une grande étude avec beaucoup d'instituts dans toute l'Europe, confirme cette tendance. En 2060, le PIB cumulé de la Chine et de l'Inde devrait être plus important que celui de l'ensemble de l'actuelle zone OCDE, alors qu'il en représente seulement un tiers
aujourd'hui. Voilà un changement majeur. D'ici à 2050, la population de la planète devrait passer de 7 milliards à plus de 9 milliards d'habitants. Une économie mondiale 4 fois plus importante qu'aujourd'hui verra sa consommation d'énergie augmenter au moins de 80%. Si d'ici là, des politiques plus efficaces et soutenables ne sont pas mises en œuvre, notamment par les pays émergents, la part des énergies fossiles dans le bouquet énergétique mondial devrait rester aux environs de 85%, avec des conséquences évidentes, des conséquences dramatiques pour notre environnement, pour notre climat. Enfin, nous serons alors non seulement plus nombreux sur la planète, mais aussi, en moyenne, plus vieux. Les personnes de plus de 65 ans représenteront plus du quart de la population dans les pays industrialisés, contre 15% aujourd'hui. Et en Europe, nous serons à la fois moins nombreux et plus vieux. Et enfin, et vous connaissez après toutes les données qu'il y a sur d'autres transformations, que ce soit la transformation de l'économie numérique, les transformations extraordinaires qui se passent à une vitesse exponentielle dans le domaine de la science, de la recherche et de la technologie. Et de la technologie, disons, portable, c'est une technologie qui n'est pas simplement pour les grandes institutions de recherche, c'est une technologie que les gens, les enfants utilisent, sont des changements que nous sommes en train de voir à toute vitesse dans nos sociétés et dans notre mode de vie, même dans la sphère familiale. Donc, nous sommes en pleine révolution des comportements dans le monde à une échelle qu'on ne peut pas comparer avec d'autres moments dans l'histoire, au moins dans l'histoire contemporaine. Alors, quel serait l'impact de ces évolutions pour l'avenir de l'Europe ? Sur un plan politique, parce que c'est là que je pourrais peut-être essayer de donner, d'apporter une des hypothèses. Certains soutiennent que l'Union européenne serait soluble dans ce processus de mondialisation et ne croit qu'en l'État-nation qu'il considère indépassable. Autant vous dire que c'est une position que je ne partage pas. Là encore, comme Denis de Rougemont le disait déjà en 1948, dans le célèbre message aux Européens, il disait qu'aucun de nos pays ne peut prétendre seul à une défense sérieuse de son indépendance. Aucun de nos pays ne peut résoudre seul les problèmes que lui pose l'économie moderne. Cela en 1948. Imaginez maintenant en 2013, à l'âge de la mondialisation. Ça ne veut pas dire enlever le principe national. Ça ne veut pas dire nier la souveraineté nationale. Au contraire, la souveraineté nationale est renforcée si on la partage avec d'autres. Ça, c'est l'aspect conceptuel essentiel. Parce qu'au fond, ce qui intéresse n'est pas un concept de souveraineté formelle, comme l'a défini Jean Bodin, c'est un concept de souveraineté réelle. Comment ? Est-ce qu'une communauté, comment est-ce que le canton de Genève, comment est-ce que la Suisse, comment est-ce que la France, l'Allemagne, le Portugal peut mieux défendre ses intérêts et ses valeurs dans le monde ? Est-ce que c'est ensemble, avec d'autres, en acceptant quand même ce partage de compétences, ou c'est seul ? Bon, à mon avis, c'est clair qu'ensemble, on est beaucoup plus fort, avec différentes géométries. Ça ne veut pas dire que nécessairement tous les pays européens doivent être dans la même union. Précisément parce que nous sommes une union pluraliste, précisément parce qu'il n'y a pas de diktat, nous pouvons admettre et nous soutenons l'idée qu'il y a plusieurs formes de travailler ensemble. Mais en tout cas, il faut être conscient qu'on appartient quand même à une communauté, quelque communauté fondée sur les valeurs européennes. L'accélération du processus de mondialisation ne fait que revenir renforcer la finalité d'origine de la construction européenne, qui est non seulement d'assurer aux pays de l'Union la paix, la sécurité, la prospérité, mais aussi l'influence internationale en les dotant de la taille critique et de la volonté commune nécessaire. Taille critique parce qu'au XXIe siècle, même les plus grands pays européens, pays avec 80 millions ou 60 millions, peuvent paraître petits comparés aux géants mondiaux qui sont, par exemple, la Chine ou les États-Unis. La réalité, c'est qu'à l'ère de la mondialisation, la mise en commun des souverainetés n'équivaut pas à une perte, mais à un gain de pouvoir et d'influence
pour chaque pays de l'Union européenne et pour l'Union elle-même. Volonté commune aussi, parce que les faits nous montrent que c'est là où nous avons su avoir une véritable volonté commune que nous comptons le plus dans le monde et sommes le plus à même d'assurer prospérité et sécurité. C'est vrai, ce que je viens de dire, pour le commerce, la monnaie ou la politique de concurrence. Là, l'Europe compte dans le monde, précisément parce que l'Europe, là, a été capable de mettre ensemble ses capacités. Ce sont trois domaines, la monnaie, le commerce ou la politique de concurrence, où la voix de l'Europe dans le monde est essentielle, respectée, et précisément où tout ce que l'Europe fait a un impact décisif sur la planète. Cela nous vaut aujourd'hui d'être la première puissance commerciale mondiale, avec 20% du commerce international, 30% des investissements globaux, une force d'influence globale en matière de régulation, grâce au plus grand marché intérieur en termes de valeur, le marché intérieur de 500 millions de personnes. C'est pourquoi nous avons la deuxième monnaie de référence au niveau mondial, l'euro, qui, en dépit de tous les prophètes du pessimisme, se montre aujourd'hui, comme nous l'avons toujours dit, une monnaie forte, stable, qui traduit aussi une volonté politique, une volonté existentielle d'Europe. C'est vrai aussi de notre politique de développement. Si la taille compte, les valeurs sont aussi déterminantes. Et notre Union est fondamentalement une communauté de valeurs. Notre politique de développement reflète notre volonté de promouvoir ces valeurs en aidant les plus vulnérables de ce monde à prendre en main leur destin politique et économique. Aujourd'hui même, j'ai visité le comité international de la Croix-Rouge dans une visite officielle. Seriez-vous au courant que l'Union européenne et ses États membres sont responsables pour plus de 60% du financement du comité international de la Croix-Rouge, une organisation tellement importante dont, à juste titre, Genève et la Suisse sont tellement fiers. 60% du financement de la comité international de la Croix-Rouge vient de l'Union européenne. Et la même chose de l'Union, de l'aide au développement au niveau mondial. Au niveau mondial. Donc là, je crois qu'on peut être fier. L'Union et ses États membres resteront le plus généreux donateur au monde, même en ces temps difficiles. C'est pourquoi j'ai fortement souligné, je me suis battu pour cet objectif lors des négociations sur le prochain budget pluriannuel européen, le budget qui va de 2014 à 2020. Je l'ai dit, et je peux le répéter, ce n'était pas simplement une question morale. Bien sûr, c'est un impératif moral, mais c'est aussi une question d'intelligence stratégique. Que l'Europe reste ouverte au monde et qu'elle fasse preuve de solidarité avec ceux qui ont beaucoup plus besoin que nous. Chers amis, nous devons préserver cette volonté commune dans les domaines où elle existe déjà, notamment en complétant le marché unique, en progressant vers une union économique et monétaire véritable et approfondie, avec les renforcements institutionnels nécessaires. Il nous faut aussi la développer dans de nouveaux domaines. Je pense notamment à l'énergie et aux migrations. Sur ce dernier point, la terrible tragédie qui a eu lieu récemment au large de Lampedusa, et je n'oublierai jamais ces cercueils sur lesquels je me suis recueilli quand j'ai visité l'île il y a 3 semaines, nous rappelle que la question migratoire n'est pas qu'une question nationale. C'est une question internationale complexe, à multiples facettes, et qui appelle elle aussi une réponse européenne, une réponse globale et solidaire. C'est un des domaines où, paradoxalement, il y a moins d'action sur le niveau global, c'est précisément le domaine des migrations, où il y a toujours eu des résistances à une certaine réglementation. Et c'est précisément un des domaines qui a un plus grand impact sur la communauté internationale. Cela ne veut pas dire que l'Union européenne doit intervenir sur tout. Il y a, bien sûr, dans l'Union européenne, les compétences, européennes, à vrai dire, et les compétences nationales. Il existe un principe démocratique, un principe aussi fédéraliste essentiel, qui s'appelle la subsidiarité. Et j'y suis très attaché. La Commission européenne vient d'ailleurs de proposer l'initiative REFIT pour alléger et mieux cibler la législation de l'Union. Comme je l'ai dit à maintes reprises, l'Europe doit être plus forte, unie, et visible sur les grands enjeux, mais aussi plus discrète sur les questions de moindre importance. Comme le disait Montesquieu, et j'aime bien citer Montesquieu dans La Patrie de Rousseau, les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. C'est un principe que j'aime aussi citer en français, comme d'ailleurs en anglais, que
nous n'avons pas besoin très souvent de beaucoup de réglementations. Ce qu'il faut, c'est garantir ce qui est essentiel dans le projet européen. Et agir ainsi, c'est gérer notre interdépendance. C'est nécessaire pour maintenir notre influence dans le monde. Et n'hésitons pas à utiliser ce mot « influence », car il faut être influent pour promouvoir nos valeurs. Par exemple, si nous voulons voir bouger les lignes dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, nos seuls efforts au niveau européen, qui ne représentent que 11% des émissions globales et avec tendance à descendre, nos efforts ne feraient pas beaucoup de sens si nous n'avons pas la masse critique et la cohérence pour convaincre les grandes économies de nous suivre sur cette voie. Voilà, à mon avis, pourquoi nous avons besoin de montrer que l'Europe, c'est aussi une mission pour le reste du monde. La réalité, dans ces années de crise et dans ce mandat de 5 ans, je peux vous dire que nous étions presque de façon permanente dans un mode de crise. La vérité, c'est qu'en dépit de tout le langage, parfois, et de toutes les tensions, si vous regardez les décisions prises par les États membres, elles ont été toutes prises pour plus d'intégration et non moins d'intégration. Beaucoup plus d'intégration là où c'était nécessaire. Par exemple, pour une gouvernance économique et budgétaire plus intégrée. Aujourd'hui, nous avons des réglementations en Europe que Jacques Delors ou d'autres des grands Européens ne pouvaient même pas imaginer. Par exemple, on a maintenant la capacité de faire l'analyse ex ante des budgets nationaux. Et nous avons des mécanismes d'intégration et de discipline de convergence beaucoup plus puissants que dans le passé. Ça montre, c'est curieux encore une fois, cette contradiction apparente entre une situation dans l'opinion publique qui est pour le moins critique par rapport à beaucoup des éléments en Europe, mais d'autre part, le besoin senti par le système lui-même de se renforcer, notamment pour soutenir une monnaie unique. Parce qu'à la fin, une monnaie unique dépend aussi de la capacité, de la crédibilité, de la solidité de tout l'ensemble institutionnel politique qui est derrière cette monnaie. Et c'est pourquoi il y a ces mouvements contradictoires à l'heure actuelle en Europe. Et là, je crois que nous avons su tirer les leçons de la crise en ayant plus d'Europe là où il nous faut plus d'Europe. Nous avons donné tort à ceux qui prévoyaient l'éclatement de la zone euro, la fin même de l'euro. Je me rappelle, il y a 2-3 ans, avec des dirigeants mondiaux, aussi avec des grandes personnalités dans le domaine financier, et qui avec lesquels on discutait, qui prévoyaient la fin de l'euro, qui prévoyaient que la Grèce, à ce moment, serait déjà en dehors de l'euro. Je crois pouvoir dire qu'ils avaient tort. Ils avaient tort pour une raison aussi fondamentale, c'est qu'ils ont sous-estimé les facteurs d'intégration qu'il y a notamment au sein de l'Union économique et monétaire. Parce qu'il y a aussi, et ça c'est un point qui a été sous-estimé par beaucoup d'analystes, non seulement en dehors de l'Europe, aussi en Europe, ils ont sous-estimé l'interdépendance réelle, même sur le plan économique, et pour ne pas parler du point de vue personnel et politique qui existe au niveau de l'Union européenne. Nous voyons bien que peu à peu, la confiance commence à revenir. Bien sûr, nous savons que tout cela reste encore très fragile. Je ne suis pas encore en train de dire que la crise est derrière nous, mais la vérité, c'est quand on voit la crise existentielle sur l'euro, comment les marchés réagissaient il y a 2 ans et comment ils réagissent aujourd'hui, je crois pouvoir dire que, de ce point de vue, nous avons déjà dépassé des moments extrêmement critiques et donc qu'il y a des raisons objectives pour plus de confiance en Europe. Il nous faut maintenant maintenir le cap, pas relâcher nos efforts, au niveau national comme au niveau européen, parce que c'est en associant précisément réformes économiques et véritable union économique et monétaire que nous pourrons aller de l'avant. Une union monétaire ne suffit pas pour la zone euro, il nous faut l'union économique et ayant comme horizon l'union politique telle que nous l'avons présentée dans le blueprint, c'est-à-dire un document de stratégie que la Commission a présenté pour l'avenir de l'union économique et monétaire. Nous devons et nous pouvons aller plus loin dans l'intégration de la zone euro, tout en préservant ce que nous avons réalisé tous ensemble, du marché unique aux 4 libertés. Nous devons aussi permettre aux pays qui veulent avancer plus vite, ne pas être entravés par ceux qui ne veulent pas
pour ceux qui ne le peuvent pas. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus que l'Union européenne doit rester un projet pour tous ses membres, une communauté des membres égaux devant les traités face aux obligations qu'ils ont prises. Alors, cela ne sera pas facile, je sais bien. Mais l'Europe, elle se fait toujours par des petits pas. C'était le concept, d'ailleurs, dans la déclaration Schuman, qui a déjà été cité ici ce soir. C'est la solidarité de fait dont parlait Robert Schuman. L'Europe, d'ailleurs, comme l'a dit aussi Jean Monnet, se fait par des crises. Et, bien sûr, contrairement à beaucoup de prévisions, à beaucoup d'analystes, et aussi parfois à des gens qui veulent à tout prix que l'Europe se fasse d'un jour au lendemain, l'Europe ne se fera pas par une construction d'ensemble immédiate, avec une réponse holistique. L'Europe va se faire par des adaptations successives, ce qui est propre d'ailleurs des démocraties, notamment quand vous avez à travailler pas avec une démocratie, mais avec 28 démocraties nationales et la démocratie européenne comme système naissant, système qui continue à progresser. Je sais aussi que les visages de l'Europe en 2060 dépendront de nos décisions d'aujourd'hui, tout comme de notre engagement individuel à défendre l'Europe, car l'Europe, c'est l'affaire de tous. C'est pourquoi, quand on fait des prévisions, des exercices de prévision, on doit laisser quand même une partie ouverte. L'Europe, c'est ce que nous ferons de l'Europe. L'Europe, comme d'ailleurs la mondialisation, ce n'est pas garanti ce qu'elle sera dans 20, 30 ou 50 ans. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est un monde plus instable, un monde en pleine mutation. Un monde qui a des risques certains, que la mondialisation fait qu'on perçoive chaque jour, mais qui a aussi des perspectives immenses, notamment des perspectives dans le domaine de la science, de la recherche, de l'innovation, de l'éducation. Et je le dis ici, d'ailleurs, dans l'université, remarquez le mot « université »,« universitas ». L'université, elle peut être elle-même l'expression de la mondialisation. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là seuls dans le monde. Et en fait, la communauté des scientifiques, la communauté des chercheurs, la communauté universitaire au sens large, est peut-être la meilleure ébauche que je connais du sens d'une communauté globale. L'idée que nous pouvons bien sûr défendre notre pays, notre canton, notre région, notre, disons, communauté de référence, mais en même temps, pourquoi ne pas le dire, nous sommes des citoyens du monde. Et nous avons des choses en commun avec tous nos autres concitoyens du monde, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, en Afrique, en Asie. Cette idée d'une communauté globale, l'Europe la porte dans son code génétique, comme tout à l'heure, je le disais quand je citais les dernières phrases des mémoires de Jean Monnet, ou quand on parle aussi de Denis de Rougemont avec son accent sur le civisme. Quelque chose d'intéressant aujourd'hui, la participation. Que l'Europe, comme je l'ai dit à maintes reprises, l'Europe ne peut pas continuer à progresser par un consensus implicite. Elle a été dans une large mesure cela au début, faite par des hommes de génie, mais qui était en fait conçu très souvent par les gouvernements, les diplomates, mais qui n'avait pas une construction démocratique, technocratique, certains disaient même bureaucratique, même parfois diplomatique, dans le sens que c'est des arrangements entre États, mais en plus de ces dimensions qui sont indispensables, parce qu'il nous faut aussi ce que j'appelle parfois le charisme technique d'une construction, il faut ajouter aussi la légitimité démocratique. Et pour cela, la légitimité démocratique, ça vient non seulement de l'élection, nous avons des élections directes pour le Parlement européen, comme vous savez, mais la participation. Et c'est là, encore une fois, que Denis de Rougemont nous inspirait quand il parlait du civisme, la participation active au devenir de la société. Car connaître, participer au devenir de la société, c'est connaître, c'est être motivé. Il disait si bien, pensez l'Europe, aimez l'Europe, mais surtout faites l'Europe. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est pourquoi l'avenir sera ce que nous ferons de cet avenir. L'avenir n'est pas dessiné d'avance. Et il faut d'ailleurs s'engager pour défendre ce que nous pensons être l'avenir de l'Europe. Et là, je crois que
il y a le projet culturel de l'Europe. Je parle culture au sens large du terme, c'est-à-dire notre conception de la vie, la place de la personne humaine dans le monde. Et ça, c'est une grande contribution de la philosophie européenne, depuis la philosophie classique grecque. Cela va de notre engagement en faveur de la connaissance, de la recherche, de l'innovation, jusqu'à notre vision du monde, où nous serons, devrons être toujours à côté de ceux qui se battent pour des valeurs universelles, des valeurs que nous considérons européennes, mais que nous ne voulons pas voir simplement comme des valeurs européennes. La démocratie, la dignité de la personne humaine, l'état de droit, la justice, la liberté, sont des valeurs européennes, mais que nous voulons considérer comme des valeurs universelles. C'est par exemple aussi notre engagement en faveur de la recherche fondamentale, dont le prix Nobel belge de physique, François Engler, cette année, dit de la recherche fondamentale qu'elle est l'accès par excellence à la rationalité. Et dans ce sens, elle est un barrage à toutes sortes d'idées dangereuses, non rationnelles, dont l'Europe a connu le ravage. Fin de citation. L'Europe a connu dans son histoire beaucoup de ces idées non rationnelles, des idées dangereuses. Et aujourd'hui, parfois, ici et là, je vois que ces idées non rationnelles, dangereuses, sont encore vivantes. Et c'est pourquoi il nous faut une conception aussi de la science, c'est pourquoi il nous faut une participation de la communauté scientifique et de la communauté universitaire dans la lutte pour ces valeurs, contre toute forme d'obscurantisme. Je suis heureux d'ailleurs que François Engler et Peter Higgs aient été distingués pour ce quelque chose de très petit, mais qui fait toute la différence, et dont l'existence a été vérifiée par le CERN de Genève, un organisme dont l'idée de la création trouve son origine précisément au Centre européen de la culture. Encore une raison pour que Genève puisse être fière. C'est donc une magnifique récompense pour la recherche européenne qui devrait aussi nous donner plus de confiance en notre capacité européenne à créer, à innover. Je suis convaincu que dans ce monde en pleine mutation, en Europe comme ailleurs, de nombreuses solutions viendront à l'avenir de nouvelles recherches scientifiques, de nouvelles technologies et de nouvelles découvertes dans le rapport de l'homme avec le monde. Elles viendront aussi de notre capacité à créer des ponts entre, par exemple, la science et l'art, les connaissances humanistes et les connaissances technologiques. Nous sommes dans une période de fertilisation extrêmement intéressante de ce point de vue. C'est d'ailleurs pourquoi la Commission européenne est fière d'avoir défendu, sur le plan européen, un budget européen qui représente plus d'investissements dans les compétences de l'éducation, de la mobilité, de la recherche et de l'innovation, un budget résolument tourné vers l'avenir. Pour conclure, chers amis, en vous remerciant pour votre patience extraordinaire, en tout cas, c'est moins qu'une heure de cours, non, pour vous dire que, à mon avis, ce qui fera la différence pour l'Europe dans les 50 prochaines années, qu'est-ce qui fera la différence? Ce sera notre volonté, à nous, Européens et Européennes, de rester ouverts, de mieux nous organiser ensemble, d'investir dans la connaissance et de porter nos valeurs. Si nous arrivons à répondre à ces questions, garder l'esprit d'ouverture, être capable de mieux nous organiser politiquement, institutionnellement, trouver les meilleures solutions, d'investir davantage dans la connaissance, la recherche, l'éducation, l'innovation, et surtout de porter nos valeurs, les valeurs de la construction européenne, je crois que dans 50 ans, nous ou nos enfants, ou nos petits-enfants, aurons toute la raison d'être fiers de ce que nous avons fait. C'est-à-dire que les propositions de Denis de Rougemont pour une Europe plus présente dans le monde, plus solidaire, plus citoyenne, plus culturelle, sont plus que jamais d'actualité. En d'autres termes, et pour lui laisser le dernier mot, je cite Denis de Rougemont, l'Europe n'est pas seulement le musée du monde, elle doit en rester le laboratoire, tant pour les sciences, économie incluse, que pour les idées politiques, sociales, morales et philosophiques. Fin de citation. Et moi, j'ajouterais l'Europe, le laboratoire de la mondialisation. L'Europe comme l'expérience la plus avancée jamais connue dans la vie internationale de partage de souveraineté entre États. L'Europe qui a construit un Parlement directement élu par les citoyens, une banque centrale indépendante, une cour de justice indépendante, une commission européenne supranationale, sans vouloir des leçons à personne. L'Europe a là
beaucoup d'idées sur lesquelles on peut s'appuyer pour construire un monde plus ouvert et plus solidaire. C'est pourquoi je tiens à vous désirer, à vous souhaiter le plus grand succès au pôle de l'hydrogement d'études européennes et au Global Studies Institute de l'Université de Genève. Merci pour votre attention. Question, merci d'indiquer votre souhait de poser les questions. Là, monsieur, derrière vous. Bonsoir. Monsieur Yaroche, ancien étudiant 2006-2009, citoyen européen, de nationalité polonaise et fils d'ouvrier. Comme Denis de Rougemont disait à l'époque, dans les nombreuses lectures que j'ai faites, effectivement, l'Europe, si elle commence par l'économie, les chances qu'elle réussisse sont faibles. Je me permets de vous poser une question, Monsieur le Président, concernant l'Union européenne n'a de sens que si elle est européenne. Est-ce que vous pensez qu'il y a envisageable d'avoir une préférence communautaire à l'avenir, un peu comme l'a défini Maurice Allais, l'économiste, prix Nobel de l'économie 2005, comme un peu il y a l'acte CITAS aux États-Unis qui promet la préférence américaine. Merci. Merci pour cette question. Une deuxième question, aussi une étudiante de l'Institut. Oui. Bonjour, Monsieur le Président. C'est un grand honneur, c'est un honneur immense, en effet, pour moi de vous poser une question sur le futur concret pour nos étudiants. Et en effet, je représente ici les jeunes d'une partie de l'Europe qui est très préoccupée, très concernée par l'émergence d'un chômage des jeunes, surtout dans l'Europe du Sud, mais qui concerne un peu toute l'Europe. Et bon, en tant que déléguée italienne des jeunes du Parti populaire européen, de IEP, j'ai vu aussi les efforts réalisés par nous jeunes, aussi d'amener la politique, aussi le président Konstantinos Kyriakos, d'amener la politique dans la politique européenne le problème du chômage des jeunes. Et voilà ma question. Je me demandais justement si vous pensez que le chômage des jeunes est plutôt un problème temporaire à résoudre avec des solutions nationales et européennes en même temps, ou bien il représente un grand défi pour la Commission actuelle et pour la future Commission. Merci. Et une dernière question. Je suis désolé, mais le temps est compté, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je m'appelle Rodi Kratsa. Je suis parlementaire européenne, ancien étudiant de l'Institut. Monsieur le Président, une question qui est projetée dans un avenir beaucoup plus proche que celui de 50 ans. Et comment voyez-vous la cohésion exigée nord-sud de la zone euro et plus largement de l'Union européenne? Est-ce que le mécanisme que nous disposons, la volonté politique qui existe, nous permettent d'arriver à la cohésion économique et sauver l'euro et notre rêve finalement? Merci beaucoup. Voilà. Merci pour vos questions. Bon, tout d'abord, la question de notre ami polonais. Nous sommes en train, dans les négociations internationales du commerce, de pratiquer le principe de réciprocité avec les économies industrialisées. Mais nous n'avons pas l'idée, comme on appelle préférence communautaire, en général, parce que, par exemple, nous avons des systèmes très préférentiels pour le monde en développement. Pour les PMA, ou LDC, Less Developed Countries, nous avons un système qu'on appelle Everything But Arms, qui permet l'accès au marché européen sans quota et sans tarif de tous les produits industriels. Et dans pratiquement tous les produits d'ailleurs, avec quelques exceptions, précisément les armes. D'autre part, par exemple, nous venons de conclure, d'ailleurs le Premier ministre Harper est venu dans sa quatrième... Nous avons eu 4 réunions, moi-même et lui, pour conclure l'accord avec le Canada. Nous avons trouvé l'accord politique, qui est maintenant un processus de finalisation technique, mais vraiment de finalisation,
Et là, nous avons appliqué le principe de réciprocité, sans avoir besoin d'un principe de préférence, dans la mesure où nous pensons que pour développer le commerce, il ne faut pas que les différentes zones se ferment. Au contraire, nous pensons qu'on peut gagner notre économie en s'ouvrant davantage. Aujourd'hui, dans les nouvelles chaînes mondiales du commerce, pour exporter, il vous faut importer. C'est très difficile à faire le calcul traditionnel du commerce, c'est-à-dire en faisant combien nous importons, comment nous exportons. Ce n'est pas évident. Je donne toujours l'exemple iPhone. iPhone que vous voyez là, c'est conçu en Californie, made in China. Mais une partie substantielle de la valeur ajoutée du iPhone est vraiment européenne. Ce sont des entreprises européennes, notamment allemandes, qui sont dans ce processus. Et je pourrais multiplier le cas de l'industrie automobile. En Europe, c'est un bon exemple. Où, par exemple, les voitures européennes aujourd'hui, allemandes, françaises, italiennes, mais vous pouvez trouver une voiture européenne qui a au moins 16 à 17 pays fournisseurs. La valeur ajoutée de beaucoup de voitures européennes aujourd'hui en Europe, la plus grande valeur ajoutée, c'est dans le système d'information et technologie, ICT. Quelque chose que les gens, peut-être, ne sont pas au courant. Ce n'est pas tellement dans le moteur, ou c'est dans la valeur du système informatique qui est incorporé. C'est vraiment impressionnant ce qui se passe de ce point de vue. Donc, c'est pourquoi, parfois, si un producteur européen a besoin d'aller acheter ce microchip ailleurs, pourquoi pas? Donc, à mon avis, le commerce ouvert reste une force extraordinaire pour le monde et pour l'Europe. Contrairement à l'idée qui est commune dans certains de nos pays, l'Europe a très bien fait en termes, a une très bonne performance en termes de commerce. Si vous regardez les 20 dernières années, l'Europe, elle maintient grosso modo sa part dans le commerce mondial. Il y a un grand gagnant, c'est la Chine. Les Américains ont perdu relativement. Ce qui s'est passé en Europe, c'est qu'il y a eu une différence très importante entre les pays. Il y a trois pays qui ont perdu énormément de parts de marché, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. On mentionne moins le Royaume-Uni. Et il y a un pays qui a gagné beaucoup, c'est peut-être le pays qui a le plus grand excédent à l'heure actuelle, c'est l'Allemagne. Mais aussi d'autres pays comme les Pays-Bas et d'autres, et les nouveaux États membres, dont la Pologne, qui ont augmenté leur part dans le commerce mondial. Et c'est cette réalité qu'il y a en Europe avec des compétitivités tellement différentes. Ça pose un problème, tout à l'heure je vais répondre au problème de la convergence dans la zone euro, mais à mon avis serait une erreur fondamentale pour l'Europe qui reste la première puissance commerciale au monde, de loin d'ailleurs, encore aujourd'hui, même si en termes de dimension d'économie, on pourrait s'attendre à que ce soit moins important, serait une erreur de recourir au protectionnisme. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons engagé maintenant, je me suis battu beaucoup pour ça, le TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Nous avons conclu maintenant avec le Canada, je viens de dire. Nous avons déjà conclu avec la Corée. Nous avons lancé avec le Japon une négociation. Bon, et d'après moi, nous allons recevoir prochainement des offres du Mercosur, parce qu'évidemment, c'est dans leur intérêt aussi, notamment du Brésil, d'avoir aussi un accord avec nous. Malheureusement, comme vous savez, ce n'était pas possible de trouver un accord au niveau de Doha, au niveau global. Nous avons beaucoup lutté pour ça. Ce n'était pas à cause de l'Europe qu'on a raté l'accord multilatéral. Donc, c'est pourquoi nous avons poursuivi la voie des accords bilatéraux ou plurimultilatéraux, comme on dit parfois maintenant, pour précisément garantir, sont tous des accords compatibles avec l'OMC, mais qui vont au-delà. C'est une sorte de WTO plus, OMC plus. Et puisque je suis là, à Genève, je reconnais l'un de mes professeurs de commerce international, Franz Blancard, que je voudrais beaucoup, beaucoup de ce que j'ai appris, j'espère bien, du commerce international a été ici aussi à l'Institut européen avec Franz Blancard, qui est une des plus grandes compétences en Suisse, et je crois en Europe, sur les questions commerciales. Et là, je crois que ce que je peux dire sur l'Europe, je peux dire sur la Suisse. Et votre pays, c'est d'ailleurs le bon exemple, là, avec
un pays relativement petit, mais qui a tellement à gagner d'un ordre commercial ouvert. La deuxième question sur le chômage des jeunes. Ça, je l'ai déjà dit et je le crois vraiment, c'est le premier problème politique en Europe actuellement. C'est pourquoi nous sommes en train de mobiliser toutes les ressources, en sachant bien qu'une partie de la réponse est au niveau des États. Là encore, qu'est-ce qui se passe? Si vous lisez le traité, la politique d'emploi sont des compétences nationales. Et tout de même, quand même, quand vous regardez le débat aussi en Italie, dans le pays auquel vous appartenez, mais dans d'autres pays, dans l'Europe du Sud, et pas seulement l'Europe du Sud, on dit, mais qu'est-ce que fait l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe fait? En oubliant que la première compétence est au niveau national. Mais ça arrive très souvent en Europe. Quand les choses vont bien, les politiciens nationaux disent que c'est leur succès. Quand les choses vont mal, ils disent que c'est la faute à Bruxelles, la faute à l'Europe. C'est ce que j'appelle européaniser l'échec et nationaliser le succès. Ça arrive très, très souvent. En tout cas, même si c'est d'un point de vue du traité surtout une compétence nationale, nous avons lutté pour avoir des réponses. Et moi-même, je me suis battu là-dessus au sein du Conseil européen pour qu'on puisse avoir quelque chose. C'est pourquoi, dans le budget à venir, dans les 7 ans, vous savez qu'en Europe, nous avons un budget multiannuel, nous avons obtenu 6 à 8 milliards d'euros supplémentaires pour une initiative que nous avons appelée en anglais Youth Employment Initiative, qu'on va lancer, j'espère, déjà janvier 2014, et quand le nouveau budget entre en vigueur. D'ailleurs, nous avons décidé d'avancer, faire le front-loading de ces 6 milliards d'euros pour les 2 années à venir. Pourquoi? Surtout, c'est pour garantir ce que nous avons appelé la garantie jeunesse. Avec les États membres, on a fait un contrat que, donc, si en principe, ça c'est leur responsabilité, ils sont engagés tous à adopter ça, avoir un système que dans 4 mois après la fin de la formation, soit la formation au niveau secondaire ou d'apprenti, ou la formation au niveau universitaire, si un jeune homme, une jeune femme ne trouve pas un emploi, l'État devrait être en condition de leur fournir une sorte d'apprentissage ou stage complémentaire pour la formation, de 1 à 2 ans. Et là, nous pouvons financer cela avec des entreprises en toute l'Europe, précisément avec ces 6 milliards d'euros. Ça, je vous le dis très franchement, parce que vous avez posé une question très importante, c'est un problème structurel ou pas. À mon avis, nous sommes dans un changement structurel en Europe. La crise que nous avons n'est pas simplement une crise conjoncturelle. La crise a mis en évidence des problèmes conjoncturels, bien sûr, et nous sommes en train de subir des effets, mais la crise que l'Europe a connue, et pas seulement l'Europe, est une crise structurelle parce qu'elle touche des problèmes de compétitivité dans certains de nos pays, notamment les pays de l'Europe du Sud, et pas simplement les pays de l'Europe du Sud. C'est pourquoi il n'y aura pas des réponses faciles, ça va prendre du temps. En tout cas, je pense qu'on doit, même si on reconnaît la nature structurelle de la crise, qu'on doit avoir des réponses conjoncturelles. Je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir un effort des États pour mobiliser des ressources pour des stages, pour de la formation complémentaire pour des jeunes, que de laisser ces jeunes dans le chômage, qui est vraiment une tragédie. Dans certains de nos pays, c'est plus de 50% des gens qui sont entre la fin de leurs études et, disons, 25 à 27 ans d'âge. Voilà, c'est une réponse conjoncturelle, parce que la réponse structurelle, elle ne peut venir que de la réponse d'ensemble que nous sommes en train de trouver. C'est quoi? C'est corriger les déséquilibres dans les finances publiques. Ça, c'est vraiment la grande menace qui pèse sur la nouvelle génération. Parce qu'avec des pays qui ont des dettes publiques de 120 à 150%, ça veut dire que c'est vous, les jeunes, qui allez payer la dette de vos parents et de vos grands-parents. Donc, la politique de correction des déficits n'est pas, contrairement à ce qu'on dit parfois, une sorte d'obsession des budgétaires. Non, c'est une nécessité de justice intergénérationnelle. Parce que sinon, vous n'aurez pas l'argent vous-même pour payer vos propres retraites. C'est pourquoi il nous faut corriger le déficit public en Europe, par exemple pour votre pays qui est extrêmement élevé, précisément pour libérer de cette charge les nouvelles générations. C'est faire les réformes structurelles pour devenir plus compétitifs, ce que certains pays sont en train de faire, ce que la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande ont fait, c'est remarquable. Ce sont des pays qui, dans ces 2-3 années, ont corrigé leur,
des équilibres extérieurs, des pays qui avaient traditionnellement de grands déficits, et en même temps faire l'investissement dans les secteurs porteurs d'avenir, comme j'ai cité tout à l'heure, je ne vais pas répéter, que ce soit la science, l'innovation, la recherche, tout ce qui peut rendre notre Europe plus compétitive. Donc nous devons nous adapter à de nouvelles conditions de la concurrence globale, et l'Europe, bien sûr, ce n'est pas en baissant les coûts que nous voulons, en baissant les compétences, en baissant le niveau. Je crois que la mondialisation, c'est aussi une façon de garantir nos standards, que ce soit les standards en termes de droits des travailleurs, en termes de droits de l'environnement, défendre l'environnement, que ce soit en termes de droits des consommateurs. Ce que nous voulons, ce n'est pas baisser nos niveaux, nos standards, au contraire, c'est contribuer à que les autres puissent monter les leurs, et ça va se passer, parce que vous êtes en train de voir qu'il y a maintenant des mouvements dans les économies émergentes où la nouvelle classe moyenne est en train de demander plus d'hôpitaux publics de qualité, des services de qualité. Les syndicats commencent à apparaître. Donc, il va y avoir un rééquilibrage, mais ça va prendre un certain temps. En tout cas, je crois que le chemin que nous avons choisi en Europe, c'est-à-dire de renforcer notre compétitivité, c'est le chemin essentiel. Et c'est ça qui peut porter une réponse durable au problème du chômage. Entre-temps, trouvons ces notions. Par exemple, nous avons travaillé dans beaucoup de domaines. Un domaine, c'est le domaine de Global Coalition for Digital, où nous avons travaillé avec les grandes entreprises mondiales, européennes et d'autres, pour trouver des emplois temporaires, au moins, dans le secteur de l'économie numérique, pour avoir quand même une voie, un débouché pour les gens qui complètent leurs études. Mais c'est vrai que cette nouvelle génération doit être plus mobile, doit avoir aussi parfois des autres possibilités dans d'autres pays. D'ailleurs, le monde aujourd'hui est différent du monde d'auparavant. Par exemple, nous avons créé un système EURES, si vous allez à l'Internet, pour trouver des postes en toute l'Europe, pas seulement dans votre pays de formation. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui en Europe, il y a un mismatch très intéressant. Il y a, en même temps que nous avons des jeunes dans le chômage, y inclus des jeunes avec des maîtrises, avec même des doctorats parfois, vous avez en même temps des secteurs qui demandent plus de gens, par exemple le secteur d'informatique et de technologie de communication, ou le secteur de la santé. Notre secteur, il y a une demande de non seulement de médecins et de chercheurs qualifiés, mais d'infirmières, de techniciens. Dans tout le secteur de la santé, c'est un secteur qui va, à mon avis, voir une croissance importante en termes d'emploi en Europe, ce qui accompagne d'ailleurs le vieillissement, l'évolution démographique de la population. Voilà, il faut aujourd'hui faire preuve d'une grande mobilité, mais je ne vous cache pas que la situation est très difficile sur ce plan. Nous avons, avec l'appui des États membres, construit quelques réponses ponctuelles pour, disons, amoindrir l'impact, mais je crois qu'on doit la réponse soutenable, c'est celle aussi d'une croissance soutenable. Et nous avons vu dans la crise qu'une croissance appuyée sur la dette, soit la dette excessive publique ou la dette privée, n'est pas une croissance soutenable. La troisième question de mon ami Rosy Kratsa, de vice-président du Parlement européen. Bien sûr, ça, c'est un des grands problèmes qui nous préoccupe. C'est la divergence en termes européens. La vérité, c'est qu'on peut toujours demander plus. Moi, je suis de ceux qui demandent plus de solidarité à l'Europe, parce que l'Europe, c'est un projet de solidarité. Mais la vérité, c'est qu'en Europe, il y a certains, et nous avons vu dans le débat dernier, qui demandent plus de solidarité, et il y a d'autres qui demandent plus de responsabilité. Eh bien, nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de la responsabilité et de la solidarité. C'est vrai que la crise a été un véritable stress test pour l'Europe dans son ensemble. Aujourd'hui, dans les cafés d'Athènes, on discute la politique allemande. Aujourd'hui, dans les talk show populaire dans la télévision allemande, on discute la situation financière de la Grèce ou d'autres pays. Donc, de ce point de vue, on est beaucoup plus intégrés. Mais les arguments ne sont pas toujours les meilleurs. Parfois, il y a des préjugés qui sont, à mon avis, très dangereux. Des préjugés, ce sont les pays, les caractères nationaux, des choses qui, d'ailleurs, l'histoire démontre qu'ils ne correspondent pas à la vérité. Vous avez vu le cas de lorsque la Grèce est adhérée à l'Union économique et monétaire, il y avait des problèmes qu'on a analysés pour la Grèce et pour la Suède. La Suède était dans une position très comparable à celle de la Grèce. La Finlande a déjà connu aussi des moments. L'Allemagne était considérée il y a quelques années « the sick man of Europe and the world ».
Et l'Allemagne, aujourd'hui, a cette force extraordinaire d'exportation, mais était considérée. Mais ils ont fait des réformes, lorsque d'autres n'ont pas fait les réformes. Et cela a permis, bien sûr, à l'Allemagne et d'autres pays, qui n'ont pas eu l'évolution des dépenses et de croissance des dépenses non compensées par la productivité, d'avoir aujourd'hui une meilleure situation. Donc, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est combattre les stéréotypes, les préjugés, et travailler ensemble pour une union plus solidaire. Mais solidarité, ça exige aussi de la responsabilité de tous les pays, de tous les gouvernements. Ça exige que les Européens du Sud ne rendent pas responsables l'Allemagne ou d'autres pays par, disons, leur situation, parce que finalement, la crise n'a pas été provoquée par l'Allemagne ou par d'autres pays. La crise que nous avons en Europe, dans la zone, a été provoquée pour deux raisons fondamentales. Premièrement, un excès de dette publique dans certains gouvernements, d'ailleurs quelques-uns qui n'ont même pas présenté correctement leurs leur chiffres de leurs données, ou alors pour des bulles financières, pour le comportement parfois irresponsable de certains dans le domaine financier, y inclut les superviseurs nationaux qui n'ont pas donné la vérité sur ce qui s'est passé, ce qui s'est arrivé par exemple en Irlande ou dans d'autres pays qui ont vu s'accumuler des dettes immenses du secteur financier qui, après, a été le contribuable qui a été appelé à payer. Donc, et tout ça, dans certains pays, plus que d'autres, sous le fond de problèmes de compétitivité structurelle, notamment dans les pays d'Europe du Sud. L'Irlande étant quand même un des pays les plus riches au monde, per capita, un pays qui avait un niveau de compétitivité plus élevé que les pays de l'Europe du Sud. Mais cette combinaison absolument un cocktail Molotov explosif de dette publique avec dette privée sur un fond de problème de compétitivité avec l'alarme dans les marchés financiers globaux, ça crée une situation terrible. Quand nous n'avions même pas les instruments de réponse, notamment les instruments qu'on sait créer maintenant, notamment les mécanismes européens de stabilité. C'est une sorte de FMI européen. Ah, donc on a dû construire notre radeau de sauvetage, notre bateau de sauvetage au milieu d'une tempête. Et vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas sympathique, ce n'est pas confortable, au milieu d'une tempête, construire notre bateau de sauvetage. Mais on l'a fait. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est plus solidarité. Par exemple, nous avons déjà, et la Commission s'est battue pour avoir, par exemple, l'extension de la période de la maturité des emprunts, la réduction des taux d'intérêt pour les pays sous programme. Et je crois qu'avec plus de solidarité aussi, avec des responsabilités des pays sous programme, nous serons capables, pas à pas, à sortir de cette crise et à renforcer l'unité européenne. Mais ce ne sera pas facile, hein, parce qu'il n'y aura pas une solution magique d'un jour au lendemain. Ça va exiger la capacité à soutenir dans le temps les efforts. Et voilà, ça c'est la description, je crois, réaliste que je voudrais vous donner, parce que, en tant qu'ancien universitaire, universitaire au moins occasionnel, je ne veux pas vous peindre que tout est rose, que tout est bien. Il y a beaucoup de problèmes en Europe. Simplement, mon message aujourd'hui, et je pense que je l'ai transmis, c'est celui-là. L'Europe, avec tous ses problèmes, l'Europe, avec toutes ses difficultés, notamment le problème du chômage, reste quand même un espace de liberté, de prospérité, de sécurité, comme peut-être il n'y a pas d'autre dans le monde. Donc, défendons-le, faisons le mieux pour porter ce projet d'avenir, parce qu'il est un projet tellement important, non seulement pour nos Europe, mais aussi par beaucoup de gens dans le reste du monde qui regardent avec l'Europe comme une source possible d'inspiration. Merci beaucoup pour votre attention.